Il y a des questions que je me suis toujours posées concernant Wonder Woman. Bon, ok, Wonder Woman, c'est une Amazon. Ah, d'ailleurs, petit aparté. Amazon, pour toutes les nouvelles générations, aujourd'hui, c'est un site de vente en ligne. Alors que, pas du tout. Amazon, ça veut dire femme guerrière qui se coupe le nichon pour pouvoir tirer mieux à l'arc. Parce que la culture, ça se perd. Bref, c'est une Amazon. Elle a des origines liées à la mythologie grecque. D'ailleurs, c'est les dieux qui lui ont donné son lasso magique, qui fait dire la vérité, et ses bracelets qui arrêtent les balles. Ils sont balèzes, les dieux grecs. Parce qu'ils inventent des bracelets anti-balles avant l'invention des armes à feu. Ça, c'est la joie des scénarios dans les comics. Hein. Et Wonder Woman a aussi un avion invisible. Alors, bon, déjà, c'est pas facile à trouver un avion invisible quand tu oublies où tu l'as garé. Mais surtout, c'est qui a donné un avion invisible à Diana? Les dieux grecs? Les mecs, ils ont inventé l'avion invisible avant qu'un mec invente la montgolfière visible? Aucune explication nulle part sur cet avion. Alors, j'ai cherché sur Internet et il y a quelqu'un qui dit que ça serait peut-être le cheval Pégase qui aurait été rendu invisible puis transformé en avion. La joie des scénarios dans les comics. Mais intéressons-nous plutôt aux réelles origines de Wonder Woman, qui est quand même une des premières héroïnes badass qui joue à armes égales avec des super-héros mecs dans les années 40. Elle a été créée par William Moulton Marston parce qu'il voulait donner une image de la femme forte aux lecteurs de comics. William est un docteur en psychologie et en 1922, il crée le test de pression sanguine systolique dans le but de fabriquer un détecteur de mensonges. Du coup, ça explique le pouvoir du lasso qui permet de dire la vérité. William est un polyamoureux et vit avec deux femmes. Ça, c'est la vérité. Il a deux enfants avec ses femmes et la plupart des travaux de Marston sont des travaux qui portent sur les déviances sexuelles. D'accord ? Une de ses expériences était de menotter des femmes, de leur faire regarder un film et il en a conclu de cette expérience que les brunes sont plus facilement excitables que les blondes. Du coup, son contrat avec l'université est rompu après cette belle expérience. Marston se retrouve au chômage. Alors, Marston est un fétichiste convaincu, un adepte du bondage et de la domination et de la soumission. Et des années plus tard, il invente Wonder Woman. Et c'est lui qui se charge d'écrire toutes les premières aventures de Diana, qui se retrouve très, mais alors très très souvent, attachée par son propre lasso. Fessée, asservie Shibari style. Et des tonnes d'autres choses qu'on pourrait vraiment rattacher à du fétichisme. Et ça passait presque inaperçu dans les années 40. Alors, non seulement Wonder Woman est l'héroïne super forte, mais c'est aussi la super-héroïne de comics BDSM, la première super-héroïne de BDSM vendue aux enfants. D'ailleurs, regardez cette planche où Wonder Woman joue avec un petit garçon déguisé en cow-boy. Nous sommes dans les années 40. Voilà, donc ça passait crème. Wonder Woman est aussi l'héroïne à avoir eu la super faiblesse la plus naze de tous les super-héros. Elle perdait sa super force quand on lui liait les deux mains ensemble. Wonder Woman, BDSM, Power, ou pas.